Doucement, louloute. Est-ce que tu peux voir les tentacules et les bras oraux sur la méduse? Je sais pas, dans tout, peut-être dans tous les sacs. C'est pas grave, ça fait un souvenir. Moi j'ai pris comme ça. Oui, ça lui fait un souvenir, c'est de 5 euros. Mais elle fait quoi ça? Allez, c'est parti. Non, non, il n'y a pas de souci. Attends, Lydia, doucement.
lève-toi quand même. Allez, lève-toi. Laisse déjà la petite, attends. Ils ont fini et après tu y vas. Attends, Lily. Lydia, viens, on ira après, bah attends.
voilà, tu prends ta main. Voilà, comme ça, tu sais où tu vas. Thank you.
Lily, attends. Attends, reste. Reste, je vais te filmer, reste. C'est bon, tu peux sortir. Oui. Salut le prof. Bah de l'intérieur, parce que t'en prends plusieurs en même temps, c'est joli. Quoi? C'est beau.
Après, tu glisses ton cou. Choisis ta langue. Je viens d'appeler ton avocat. Qu'est-ce qu'on voit sur les cerveaux? Avais-tu parfois d'avoir une vision à rayon X? Lélie. L'un de mes derniers gadgets va te donner ses pouvoirs. Les requins sont tous différents, et leur anatomie représente toujours la même. Pour voir l'intérieur de ce grand requin blanc, touche en lui et glisse en bois le nom de son père. Espérons qu'il ne se trouve pas de table. Vas-y. Lily. Vous m'aurez vu, occupe presque un quart de notre salle. Nous sentons même une trace de produits chimiques dans l'air. Incroyable, hein? Le grand requin blanc peut mesurer plus de 6 mètres de long et peser plus qu'une voiture familiale. C'est énorme. Il possède 26 dents sur chaque rangée de haut et 24 sur chaque rangée du bas. La rangée du haut sert à trancher et celle du bas à perforer. Ça fait trois dents de haut, hein? Il n'y a pas peur. Il va déteste les vies humaines. Ces nageoires surpuissantes aident le grand requin blanc à approcher de 40 km. Ça fait des doigts. À une telle vitesse, attention aux deux dames. Grâce à mes gadgets, tu peux prendre n'importe quel côté de ton équipe. Attention à l'autre, pour choisir le requin que tu peux prendre. Je viens d'appeler ton requin pour qu'il vienne le voir. Le voici le parfum. Ce requin pratique est très joli. Le requin est un animal fascinant. Mais son look est un peu bizarre, non? Son niveau est une arme super sophistiquée qui va lui être prêtée à l'homme pour chasser. Son niveau est assez bien et tu es un plan pour le
ensemble. Allez, vas-y. Tu le glisses dedans. Glisse. Ben, il doit... Oui, voilà, là-dedans. Non, enlève, retire tes doigts, glisse. Vas-y, glisse-le. Allez. Voilà, maintenant appuie sur le bouton. Attends, enlève-toi, touche pas. Vas-y, maintenant, vas-y. Appuie. C'est pas digital ou quoi ? Touche pas. C'est quoi ça ? Il n'a pas bien voulu, toi ! J'ai pas l'impression qu'on peut faire plus. Attends, je vais mettre sur. C'est pas où, mais ouais. Voilà. Tiens, tu peux le reprendre. Tu peux le reprendre. C'est bon. Tu mets le doigt ici. Juste okay. Au et bout, d'accord. Pas, d'accord. Voilà. Alors c'est comment la sensation? C'est doux. T'es sûr que c'est doux? Oui. Ça gratte un doucement, petit peu le doigt. Doucement, quand même. Doucement, doucement et pas au milieu. Ça gratte. Ça gratte, ouais, parce qu'elle a des petites épines. Ça gratte. Viens voir. Ça va? Ouais. Et alors la boule à Z? Ah oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, tu sens, t'as vu? T'as vu? Jean-Mi? Viens, regarde. Regarde l'étoile de mer. Regarde, il te montre comment la toucher. Regarde, pas sur le milieu, mais juste Lily, elle l'a fait. Regarde la sensation. Oui, tu veux pas faire le crabe? Viens, moi, je le fais, le crabe.
T'as peur que ça passe? Mais non, regarde. Regarde, il te montre. Tu vois, regarde. Juste sur la tête comme ça. Mmh. Et sinon, ça va. Mais non, regarde. Regarde, tu vois. Non, regarde. Bah, il est normal. Alors, ne le fais pas si t'as peur. Tu veux le faire, Jean? Tu le fais, toi? J'avais l'anémone aussi, c'était pas mal. Ah oui, regarde, tu peux faire l'anémone. Regarde, l'anémone, regarde, il te montre. Regarde, tu fais comme le monsieur, il te montre. Regarde, fais comme il te montre, tu vois? Hop là. Doucement, 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 Lily, doucement. Oui, du coup, oui. Ça a été un peu vite. Regarde, tout doucement, regarde, tu vois? Vraiment doucement, sur tu les vois côtés, hein, sur les côtés, sur les côtés, voilà. Et tout doucement. Voilà. Non, c'est les flashs. C'est bizarre. Hein. Aïe. Mesdames et messieurs, tous les grands, bonjour et bienvenue à cette leçon festival. Nous vous rappelons que pour le bien-être des animaux, l'usage du flash est strictement interdit pour l'ensemble de la famille. De plus, vous ne pouvez pas mettre les mains dans les bassins et les parties aux animaux. Nous vous souhaitons à tous une bonne visite. On est les gens de la main de la voie de la semaine. On doit leur dire que les animaux flash ont été arrêtés en strict et forbidden à la centre. Not put your hands into the tanks and out of the fish. We wish you a good visit. Vas-y, monte, tu gardes la poussette. Monte si tu veux. Monte avec elle. Il y a un genre de poisson dans un truc rouge et tout bizarre. Il te dit chatouiller le poisson, je sais pas ce que c'est, mais bon, vas-y. Oui, oui.
Hein? Ah. Thank you.
Hein? Ah, il s'éclate, hein? Bien. Vas-y. Si tu veux sortir, sors. Viens. T'as dit quoi? T'as dit quoi?
français, c'est déjà tout. C'est déjà tout. Oh merde. Hein? Oh, une dernière photo avec Albert, alors. Une dernière photo avec Albert, alors. Oui, il y en a un qui fait l'apéro là-bas. Tiens. Ah, bon, j'en ai remis une pour 45 euros. Dans la poussette, regarde, t'as vu la dame, elle donne à manger. On va permettre de vous rendre tout ça. Et on va avoir un bonus sous la règle, qui va permettre de pouvoir ramper, de vider tout ce qui est bactéries. Donc, très souvent, ça, c'est les poissons, je ne sais pas, on sent les rêves. On aura beaucoup de flottement et du coup, les animer. Toute la place est rentable. Alors, les raies sont ce qu'on appelle un pavé dentaire. En fait, c'est comme une brosse au niveau des dents, des dents comme des brosses, qui vont leur permettre à broyer leur proie. À la différence des requins qui ont le feu, qui vont arracher la chair, la raie va broyer la proie. C'est papa qui l'a, je ne sais pas où il est pour l'instant. On voit derrière dans la chambre de raie, on dirait le moyen de l'omillage. Viens. Oui, attends, viens, non, pour l'instant, il n'est pas là, viens. Vous allez le sentir, ça va faire très très mal. Est-ce que quelqu'un connaît la différence entre un requin et un requin de la même chose? On est là, Jean-Mi. C'est les poissons qui ont le dos. On est là. Le dos du bassin. Ils ont deux différences dans la différence. Est-ce que quelqu'un a mangé une ou en deux requins en particulier? Personne? Déjà, la première différence, c'est que les raies, tout comme les requins, ils n'ont pas des cailles. C'est ce qu'on appelle des dents touffues. C'est des dents remontées vers l'arrière dans des mailles du bois qui vont leur permettre d'être hémodynamiques. Comme par exemple, le requin Paco, il peut aller jusqu'à 80 km/h, il peut faire des routes à 110 km/h grâce à une dent touffue qui vont lui permettre de fondre l'eau et d'aller beaucoup plus vite que le reste du bois. La deuxième différence, c'est qu'ils n'ont pas d'arêtes. Contrairement aux Paco qui sont bourrés d'arêtes, les raies, elles ont ce qu'on appelle du cartilage. Vous savez ce que c'est, le cartilage des enfants? Ce que vous avez dans les dents grises, ce que vous avez dans les oreilles, c'est un tissu. Souvent, les pleurons, c'est certains requins. Ce sont des petits points sur les oreilles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. En fait, ces petits points, c'est des canaux avec des gels à l'intérieur qui vont leur permettre.